Et ça fait deux saisons que je les suis et c'est vrai que c'est une énorme récompense pour eux parce que c'est un excellent groupe, c'est un groupe sérieux et qui bosse, qui a envie et voilà, franchement c'est une très belle récompense pour eux surtout parce qu'ils clôturent, voilà, ils vont passer sur les U14 l'année prochaine, sur du grand terrain, ça va être complètement différent. Ils clôturent de très bonne manière voilà, toute leur saison en foot animation et ils ont énormément progressé donc je suis très fier d'eux et voilà, je suis très très fier d'eux. La Morpavine Cup, c'est la 21e édition que nous faisons cette année. Un tournoi que j'ai à cœur parce que c'est un peu de montrer le football morpasien, de mettre en face la compétition à d'autres équipes qu'on a l'habitude de rencontrer pendant les championnats tout au long de l'année. Cette année, nous avons trois équipes étrangères, malheureusement, dues à des contextes un peu internationaux qui sont difficiles de recruter des équipes étrangères sur leur venue en France. Mais globalement, très satisfait d'organiser tous les ans pour la ville de Maurepas et de montrer ce magnifique complexe aux d'autres nations et voilà que le football français est aussi très représentatif au niveau amateur. Très, très content au niveau des jeunes, du football animation en U13, U11. Ce qui montre, c'est qu'on va avoir de la jeunesse qui va arriver dans les années à venir dans les équipes de foot à 11, dans les foot adultes et adolescents. Un peu déçu par nos U15 et U17 qui jouent en ligue et qui n'ont pas su produire leur football qu'il faudrait tout au long de l'année pour montrer que Maurepas pouvait gagner aussi dans ces deux catégories. Voilà, donc, mais satisfait surtout sur l'ambiance de ce tournoi qui est nous ce qu'on recherche, c'est convivialité et la festivité au niveau de ce tournoi plutôt que la compétition. Yeah!